Sur Shadow of Tomb Raider, on est sur le dernier acte, donc la vidéo peut être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc c'est normal, je finis juste un réglage et on y va. Oh, fait craquer la colonne. Allez, et c'est parti. Maintenant qu'on a fini tous les petits trucs, on va aller voir Edsley le roi. C'était lui. Non, c'était pas lui. J'espère qu'ils survivront. Il est là, le petit roi. Point de non-retour. Comment ça avance le plan, Edsley? C'est On Blue doit Knight, choisir. quand tu as ma belle. Au chaud. L'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide. Si jamais on va au contact, on a toutes les chances de les intercepter. Mais ils pourraient très bien nous déborder. Si on passe par là, ce sera moins dangereux. Mais le timing devrait être parfait ou ils nous échapperont. Salut Fisher. On peut faire les deux? Moi ça va et toi si ma petite Blue? Si on va au contact, je peux les contourner et puis jouer les snipers. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ils seraient piégés. Toute approche comporte des risques, mais je crois que c'est la meilleure option. Bien. Alors, à vos ordres. Allez, préparez-vous. On y va. Un petit blot, j'ai dit à. J'ai dit au tonton. On fait avec rien de beau que du moche. Ah, mais elle est comique la tête à Blue. Ah tiens, Blue elle a perdu son étoile. La tête à Blue a perdu son étoile. En plus, on a changé les logos. Mais on t'a une petite médaille, une petite patte de loup comme ça à la place de l'étoile. Et selon le temps que tu es sur le live, et ben ça change. Si t'es là depuis 3 mois, et ben il passe en argent. Avant 3 mois, c'est en bronze. Ah, Yanis! J'ai dit au tonton Yanis que je vais réinstaller sur Tif. Et donc dès que tu qui sera dispo la Tata Blue qu'on a eu chez Yannick. Il paraît qu'il y a une mise à jour aussi là jeudi demain 26 27 27 je crois. Après au-dessus de 6 mois t'as or et à partir de 1 an c'est platine donc c'est un genre de bleu turquoise toi. Merci Skull pour ton host. Ouais Skull. Moi ce week-end je travaille donc si on joue ce sera le soir. Sachant que j'ai plus de jeu d'horreur. Donc il n'y aura plus de live horreur pour le moment, à part Emily Wants to Play. On va sauter le pont. On va trouver un autre passage. Ok. Tu vois la fumée rouge? Ouais. Je vais aller jeter un œil. Unuratu a dit que le feu cramoisi était sa destinée. Chef d'équipe, prenez contact avec les véhicules.
Disons que tout ce qu'on va faire en live peut apparaître, parce qu'il y a la chanson de la meute qui est bientôt finie. Donc ce qu'on va faire en live peut servir pour le clip de la meute. Maximum c'est enfin au plus tôt ce sera 20h30 minuit, enfin 20h30 21h pardon, et au plus tard je me couche à minuit maximum. On reste dans tous les secteurs, au plus tard. Mais on perd beaucoup trop d'hommes. À toutes les unités, n'approchez pas des murs, restez coupés, et tous ensemble, sans angle mort. Moi je travaille tout le week-end donc. La source de la fumée, je vais l'attendre. Cramoisi, c'est toi. Je crois qu'on est censé travailler ensemble pour vaincre Kukulkan. Ouais, me lâche pas. Hein. J'ai à peine le temps de me mettre en tailleur qui s'est déjà foutu sur moi. Et voici ma petite armée. Deux best-of même, il y a le best-of Call of Duty Blackout et multijoueur mi-temps de Black Ops 3, 4 et le best-of sur Dead by Daylight.
Jonah, j'ai des renforts. Les Yashin, ils sont avec moi. Quoi? J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi. Commandant, on accroche en visuel. Elle est avec les Yashin. Hein? Vous laissez pas distraire. Abattez là. C'est Nat en mode battle royale, toi. Sa dernière fin. Sa dernière bataille. Tout le monde s'y donne à fond. Les hélicoptères tombent comme des fusées. Ici, l'équipe s'étale. Au conseil en position. Périmètre tenu. Je répète, le haut conseil va bien. Ici, le commandant. Le haut conseil est là pour assurer personnellement notre victoire. Tiens-nous le périmètre. Mais bien sûr. Et la marmotte et mes chocolats dans le papier. Début de l'éclipse. Encerclé, j'ai plus de munitions. Non, non, non.
Honnêtement, je pensais que la bataille contre Ourk aurait été un peu plus épique que ça, quoi. Du début à la fin, honnêtement, ça fait partie des descriptions que j'ai. Du début à la fin, tu t'attends à un truc épique, Ourk, c'est le commandant militaire, genre un combat au corps à corps qui aurait duré 20 ans parce que le mec, il n'arrive plus de foutre à branler en moins de 2 secondes. Jonah, Ourk est mort. Je vais retrouver Dominguez pour empêcher le rituel. On va les retenir aussi longtemps que possible. Et après d'autres, non. Il s'est fait buter à la scène crypto. Ici l'équipe Zeta. Le haut conseil se fait envahir. Il nous faut. T'inquiète pas, Ah merde. Les cailloux, c'est les cailloux qui m'ont fait tomber. Bande de schlag. Marcel. Que le soleil s'éteigne et que l'obscurité efface le monde connu. Que l'ombre passe et que la lumière rejaillisse sur un monde créé par nous. Hôtels, en fait. À chaque hôtel, il y a une vague d'ennemis qui arrive. Trouvez-la.
tellement les flèches. Anéanti ceux qui veulent détruire ton pouvoir et son étendue. Ah mais je me prends des balles doubles là, sérieux. Là y'a rien, il y a deux secondes et je me prends des balles là bizarrement. Ces icônes, il faut que je libère l'énergie qu'elles contiennent. Le soleil est bête. Et que l'on connaît. Trouvez-la. Empêchez-la d'intervenir. Oh, j'en ai une en pleine tête. Aujourd'hui, nous prenons le contrôle de notre destin. Sérieux, j'en ai une en pleine tronche. Pas le temps de bouger que je me prends déjà plein la gueule. Okay.
contrôle. Oh, tu peux attaquer. Ça te rendra plus fort. Lève-toi. Chaque fois que vous le blessez, il absorbe le pouvoir du mec, quoi. Mais là, elle y a pensé, elle a heurté directement le cœur. Je suis désolé. Protégez Paititi. Pitié. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ?
Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Unuratu. Ma mère, une guerrière, une rebelle, une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me manques. T'es Jules, comment tu vas? Oh, ça fait un bail. Merci pour l'host. Et... son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Merci. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui? La jungle te manque? Tu veux trouver ce fameux arbre à poisson? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Je suis contente. Et toi alors? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais Etsli va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Waouh. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des bagages à faire, toi? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être pour en apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux, suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie. Nous viendrons à ton mariage. Wow. Etsli, et si tu me montrais les plans du nouveau temple? Oui, ce sera magnifique. C'est un genre de jeu fini, en tout cas. Il ronfle, mais il est toujours là, hein. Il me lâche pas le bras. Hein. C'est l'action aventure, ouais.
avec un petit côté RPG pour les parce que tes points de compétence, à force de faire certaines actions, tes points de compétence qui arrivent. Oh, patate douce. On va regarder la scène de fin quand même. J'avais tout faux. Ouais. J'ai cru que manque quelques petits je devais réaliser quelque petits épisodes à monter encore un peu. J'ai en cru celui-là. Que je devais tout régler. Et puis qu'à les mettre un par un. Être apprécié plus que résolu. Et je ne suis que l'une de leurs protectrices. Bah le jeu pour moi il est bien. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Il est bien. Je dirais que le seul hic, c'est qu'il y a pas mal de petites choses qui manquent, quoi. C'est je vais essayer de ne pas trop me prendre en sérieux. Je sais pas trop comment dire, quoi. C'est par exemple le combat contre Rourke à la fin, il a été fait en mode en fin de compte, c'est le c'est même pas toi qui butes. Toi tu survis juste au combat et il meurt tout seul. Donc là, tu vois, tu vois le dessin du début avec sa mère, le dinosaure aux pyramides, soi-disant à Hawaï, comme disait la petite, et ben ils ont rajouté le père, qui était pas dedans, sur le dessin d'origine. Pour ceux qui se rappellent au début du jeu. Mais il y a pas de petits trucs qui manquent, le niveau des tombeaux et tout, bon, ça reste comme Rise of Tomb Raider. Le truc avance bien petit à petit, mais voilà, je sais pas, il manque quelque chose. Pour qu'il soit parfait, il manque quelque chose, quoi. Donc voilà les gars, on a fait le jeu à 79%. Donc je pense qu'on a bien avancé. Défi des tombeaux. Il y a 7 tombeaux additionnels, 9 tombeaux du jeu principal. Après ça c'est Season Pass. Et voilà les gars, nous on va couper là. Comme ça moi je vais aller récupérer et commander les petites nouvelles sorties qui arrivent. Et dès que je reviens, je vous refais un live. Voilà. Donc j'en ai pour un petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum, toi. Donc moi, je vous dis à tout de suite.